mange son micro. Et le stream est lancé. Il y a une échappée. Il y a tout qui abandonne. Bon, c'est et on est parti. Du coup, ça va être l'ennui parce que personne va rouler. Ah, désolé, je bouge. Même quand ça roule, c'est l'ennui. JL Redman pour me voilà.
Il n'y a pas la version floating entre la Heureux. réponse. Ouais. Ouais. Là, je ne sais pas. Eh bien, figurez-vous, c'est pas très que je refuse. L'affaire refuse son prétendu le journalisme sportif. Et ce soir, on s'instruit avec Rico. C'est beau. Ouais, Ah, on va s'instruire avec Frico. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? alors. En 1907, quelle est la première véritable étrangère du Tour de France? Magnifique. Luxembourg, Bâle, Monaco, Metz. Ah, j'ai le Attends, plus. répète, attends, répète. Balle. Tu peux répéter les La propositions? première Ah étape, non, ouais, Metz, t'as la première raison. ville étape étrangère du Tour de France, Mais... Luxembourg, Bâle, Monaco, Metz. Moi, je dirais Luxembourg. Metz. Luxembourg. Metz. Metz. Et la réponse est donc Metz en 1907, lorsque les Ouais, bah Allemands c'est... remportent la Première Guerre J'avais dit que mondiale. c'était en Allemagne. Ouais, mais je m'en fous parce que c'est D'accord, chez d'accord. moi. C'était pas du tout Là, ce là, que je là. pensais, mais... Berlin, Mais moi, je croyais que c'était en Belgique, en fait, la première, mais non. Et t'as dit Bâle pour la Belgique? Non, j'ai dit Luxembourg, mais parce que ça aurait peut-être pu être le Luxembourg, du coup. Alors, Mais je m'en fous le parce que Metz, c'est Luxembourg. chez moi, alors allez vous faire foutre. Hey, TG. D'accord. Le gros présentateur. TG. Quel fut le premier col franchi par les coureurs du Tour de France? Oula. Le col du Ballon d'Alsace dans les Vosges, le col Oui. du Tourmalet dans les Pyrénées, le col de la Faucille dans le Jura, le col du Pimbouchin dans les Monts du Lyonnais. Le col du Pimbouchin. Alors ça dépend, soit le ballon d'Alsace parce que c'est chez moi et je suis chauvin, et que j'ai déjà pris ce, une 5000 fois, soit le col de la Faucille parce que je le sens bien. Col de la Faucille. Aussi, t'as dit quoi, Slomi, pas un bouchin? Pas un bouchon. Le Pimbouchin. Gaze, Foxy, des suggestions. Floxing Moi je comptais limite. pas. Ballon d'Alsace, Tourmalet, Faucille, pas un bouchin. On va partir sur le pain bouche là. Ou je crois que c'est le tourmalet. Eh bien, c'est bien parti puisque c'est la bonne réponse. Là, Oh. heureusement, je suis là. Arrêtez de Google, bande de Première étape de cons! la première édition en 1903 des coureurs de franchir. Le col de Pimbouchin, 759 mètres pour rejoindre Lyon, depuis Paris. Lors de l'étape Oui, quand suivante, le même. col de la République, le premier grand col à plus de 1000 mètres, c'est le col de Saint-Étienne. C'est faux. Incroyable révélation. Qu'est-ce que c'est une question sympa? Ah, ben, bon, je pense sur l'école. Quel fut le. Donc, nous sommes au courant que le col du Pimbouchin est le premier col franchi. Le col de la République est une école à plus de 1000 mètres franchi. Passe maintenant à 2000 mètres. Quel est le premier col de plus de 2000 mètres franchi par les coureurs du Tour de France? Le col du Zoar, le col du Tourmalet, le col de la Losse et le col de Lautaret. Tourmalet. Isoa. Lautaret. Isoa. Tourmalet. Eh bien, c'est le Tourmalet. En Oh là là 1910, bien sûr. là là. Ah, j'ai tenté. Eh oui, Et j'ai tenté. Octave Lafuse, hein, le vainqueur du tour cette année-là, l'ascension à pied. Eh Oh. oui, il À est passé juste pied, derrière oui. Gustave Garibou. Eh oui, qui a été le seul coureur à pas avoir mis le pied à terre pendant l'ascension. Quel monde de Je fous. l'avais déjà lu, c'est pour ça. Il y avait un mec qui avait dit aussi, vous êtes une putain de meurtrier, en tout cas. Repos, non pas repos, non, bas les couilles. Ah, Non, pas on a repos. atteint la moitié de la course. Non, le dernier tiers, pas le moitié, on a 102 bornes de l'arrivée. Wouah, Nous, on c'est va beau. passer la barre des 200 bornes de l'arrivée. C'est la moitié de 200, c'est 100, et la moitié de 300, c'est 50. Alors, le jargon du Merci, tour, ça on Genius. les connaît, on s'en fout. Ah oui, en fait, oui, on a fait un tiers. Les J'avais oublié que kilomètres c'était sont 300 ça, mètres. on Les s'en kilomètres. fout. Les équipes, allez, allez. Un beau manque. Ah. Bravo Baptistin. Dans quelle équipe aurait Eddy Merckx lors de sa première victoire sur le tour en 1969? Ça va Le même pas mettre de Molteni. suggestion. La Eddy Molteni. Merckx. Ça va essayer de Bah, j'ai dit piéger. au hasard, hein. C'est la seule que je connais de cette époque. Les D'accord, autres, c'est j'en pas ai pas grave, du je tout. suis Le col du Gazing. Faema au Fiat. Attends, répète. Fiat. Peugeot. Peugeot, Molteni, Faema au Fiat. Faima. Peugeot. Je l'ai oublié. Eh bien, c'est une marque de machine à expresso aussi bien Faima. Trop fort. Incroyable. Tout au pif. Et quel nez, Faima. Ah, c'est quoi? Peugeot. Je vais utiliser mes post-it encore un peu. Le cul. Parce qu'on a le temps. On a un peu le temps, tu vois. Et que j'ai les résultats d'une ligne linéaire et qu'on s'en fout.
Parce qu'il y a donc que des nuls qui ont participé. Ouais. Tu pourrais presque lancer ton stream, hein, de partir sur un quiz comme ça. Ah mais il est lancé, hein. Ah, ah il lance. Eh, bonjour. Ah d'accord, ça promet. Bienvenue dans ce moment très enrichissant. C'est le moment culturel, est déjà lancé depuis 10 minutes. Waouh. Slow, yes, flox, red. Ah ben voilà, je vais pas me mettre dedans, c'était con. Et du coup là ça, ouais, ça les points étaient déjà comptés ou pas? J'avais aussi pour qui vous, mais c'est pas marrant. Est-ce que les côtes ils avaient déjà commencé? Ah non, dans le manil. Qui s'est fait lâcher? Du moulin. Bah bien joué. Ah, le fils de ces noms correspond à une équipe qui a participé au tour. Attention. Donc je vais dire un nom de 4 équipes, il y en a une qui a participé. HTC. Tata Moquette, Tata Moquette, Tonton Tapi, Papa Paillasson, Maman Carpet. Ton Tata Moquette, c'est quoi? Le troisième, je sais plus c'est quoi. Papi Paillasson. Il y a Papa Paillasson et Maman Carpet. Ouais, c'est pas Maman Carpet. Ah, Papa Paillasson. Et c'est quoi Tonton déjà? Tonton Tapi. Ouais, ton tapis, moi je veux son nom. Ton tapis. Ah merde. J'ai pas de réponse, c'est Gaze. Bah ben, je vais aller sur tapis aussi. Tonton tapis. De Bernard. Tonton tapis était présent sur le tour en 1980. Et voilà. Avec comme leader Stephen Roche. Waouh. Dirigé par Roger Le Blamin. Bah je suis obligé d'aller regarder sur Google, hein. Et du coup, on en apprend tous les jours avec Fricot. Avec Tricot. Ouais. Avec Tricot. L'équipe Tonton Tapis GB. Attends, est-ce qu'il y a des photos de l'équipe Tonton le Tapis, hein? Oh, ils avaient un beau maillot, hein. Je suis obligé de mettre leur maillot sur le stream parce que là, il était beau. Ah, Shadow qui accélère. Ça, là, à tête de lion. Attaque de lion, tête de la course. Oula. Attaque de Kowé maintenant. Et oh là, attaque de tout le monde. Voilà, Bozo aussi qui accélère. Où ça accélère dans le Paso del Turchino. Le col de Vimpan à 1%. Voilà, vous aurez une magnifique photo du maillot de Tonton Tapis sur le live. Allez voir son live. Je suis gentil. Là, ah, il y a Polo qui a une question. Vas-y, Polo, s'il y a une question. Ah, Polo, vas-y, sors-nous ta question. Comme ça, Frico pourra répondre. Vas-y, mais tu sais quoi, Polo, mets des questions dans le chat. Parce que moi, il faut que je me concentre un peu. Ah bon? Je regarde un peu mon écran quand même. Koué a espionné le stream, attention. Lequel? Le mien? Non, celui de Foxy. Ok. Nani? Streamax, c'est pas bien. Streamax, c'est pas bien. Oh, magnifique ce maillot. T'as vu? Il est beau, magnifique. Hein? Il est magnifique. Le maillot Tonton Tapis. Putain, il est dégueulasse. Alors, on est en ce fait Streamax, c'est vachement. C'est toi qui te fais Streamax, hein. Ouais, mais bon, c'est cool. Ouais, il roule fort, les pères. Bon, en tout cas, il se fait un peu chier, mais bon. C'est pas cool. Moi aussi, il s'accélère un peu là. Il y a Shadow et Bonhomme qui se mettent à rouler. Bah, fallait mettre des trucs pour cacher, hein. Bah, si je voudrais, j'aurais pu. Tu mets. Sans milliards, sans raison. Tu mets le maillot de Tonton Tapis, ça cache tout. Bah, ouais, tu mets le maillot de Tonton Tapis. Non, moi, à chaque fois, je mets les étapes comme ça, ça cache. Mais Gaz qui mange, je pense qu'il est. Bah, ouais. Comment ça... Alors... Pour une fois qu'il peut manger dans... Comment s'appelait le tout premier vélo, en langage courant, composé d'une poutre reliant deux roues? Un vélocipère, une draisienne, un vélocifère, un vélocipède. Un vélociraptor. Polo, faut mettre la réponse aussi, parce que sinon moi je sais pas du coup. Je dirais que c'est que le vélocipède, je crois. Mais non, c'est la draisienne, c'est un certain. Un vélocipède. Oui, ça existait la draisienne aussi, mais je crois que le vélocipède c'était avant. Je suis pas sûr. Oui, ou alors c'est la draisienne. Je sais que les premiers vélos c'est genre un tronc d'arbre avec des roues. Un tronc d'arbre avec des roues. C'est comme les voitures, c'était un bout d'alu. Ah, bout d'alu. Parce qu'il va y avoir des pourcentages, ça va accélérer.
Non, on arrive dans les capots, dans les capis, pardon. Le capot. Dans le capot. Le Paso del Turchino. Le capot de la voiture d'assistance. Une montée de 16 km à 2%. Bah voilà, on est dans les gros pourcentages là. Voilà, là on est dans les pourcentages et intéressants. Il se fait monter par des filles. Avec chaque... En ardeur évidemment. Chez pub américaine. Hein. Franck américaine. Et donc, oui. Visconti, il part tout seul. Eh non, il y a Isaguer et Nibali qui suivent. Frico, j'ai une question pour toi. Ça vient du chat. En quelle année le Tour de France est passé en Charente? Pour la dernière fois. Pour la dernière fois. C'est une question de merde. Oui, pour la dernière fois. 2007. Ah, pour la dernière fois. Ah, c'est mieux. Pour passer ou il y a une ville étape? J'ai pas plus de renseignements. Je n'ai pas plus de renseignements. Parce que dernière ville étape normalement c'est 2016 avec l'étape Saumur en Limoges. Sinon, dernière ville étape c'est l'arrivée à Angoulême en 2007. Eh bien je ne sais pas. Oh, tu nous l'as perdu là. Repolo, dis-nous la réponse du coup à la question. Bah oui, mais dis la réponse Polo, mais il ne même pas dit. Polo il revient la mais. MDR, la c'était la Dresdienne, ouais. Je connais la Dresdienne, mais j'étais. Je crois qu'il y avait un truc. En quelle année le dernier. Attends, je crois que je vais regarder. En quelle année le tour est passé pour la 4ème fois en Eure-et-Loire? En quelle année la Belge a-t-il fini 108ème de l'étape? En quelle année le Tour de France est-il passé pour la dernière fois sur le col du Ballon d'Alsace? Ah, GG est passé, c'est Limoges en Charente. Combien? T'as dit quoi, Paul? Mais non, mais Limoges. T'as dit quoi, Frico? Putain, mais Limoges dans le Limousin, bande de connards. Frico, qu'est-ce que tu as dit? Bravo, Baptiste, un génie. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Frico, j'ai pas entendu ce que t'as. Et oui, le Ballon d'Alsace, mais c'est 2016 avec l'étape. Et non, il ne. 2014. Non. Hein? Non. À chaque fois qu'il passait pour aller sur la planche des belles filles, il passe pas par le Ballon d'Alsace. Eh ben, 2014, il y a eu l'étape avec le petit ballon, le grand ballon. Non. Derrière moi. Non, non. Dormir, non, mais j'habite à côté, merci, je sais quand même c'est quand. Et Rudy Goulard qui se fait avoir. C'était en 2005 avec la victoire de Michael Rasmussen. C'était une arrivée, hein, au ballon. Oui, alias notre dopé préféré. Hein. Mais non, mais c'était une arrivée au ballon ou je... Oui. Attends, non, je crois qu'il est juste passé. C'est quoi, c'était sur l'encyclopédie du tour là de... Bon, maintenant je relève plus le chat. Hein. On rentre dans les 30 derniers kilomètres. Bon bah du coup je vais aller mettre le live de Floxim pour aller voir. Allez. T'as combien de viewers Flo Flo? Pas beaucoup. Et avec le mon problème de micro. Bah, j'en ai 3. Incroyable. Pour installer Astéros on a 800. Non Astéros, ne stream pas. Il stream là ou pas? Non. Il stream pas apparemment, j'ai vu sur le message d'Emea, Non, il fait juste. Lyon, il courait. Lyon, le vieux con. Pardon. Ça lui fera plaisir. Il y a des lags là, je suis allé pérer. Comment ça, je critique mes équipiers. Bon, bah, on a 128 bornes. Nous, on est à 30. Non, tu presses, hein! Oh là là, c'est la pression, on a pas été placé! Ouais, faut être placé! Je reviens à lui! Le petit train de Slobby! Si! Des leaders qui se font lâcher, comme Goujard! C'est des trains en route. C'est ça. Je vais sortir une question, je la mets dans le chat du jeu.
voir comment ils vont réagir. Allez, au lieu du tour. On a réussi à passer la côte. C'est aussi incroyable. Et ça fait reprise à 20 km. Ou pas. On s'emmerde sur les routes du tour. Ah. Et Lyon qui t'entend un petit move là, vu qu'il n'a pas roulé comme la pute. Merde, hein? Oh, il est mauvais. Attends, à préparer, quelle ville a été une ville état sur. Bah, beaucoup. Je pense que vous voulez dire d'arriver final, je pense. De Most, merde. Ah, Most. Pau. Pau ou Bordeaux, oui, c'est une des deux. C'est Pau. Ou Bordeaux. Putain, il y a une question, j'ai pas vu. Il y a une cinquantaine, je crois, à Bordeaux quand même. Mais Pau est. Au Lyon ou Bordeaux. Hein? C'est Lyon qui tente un truc de trop. Oh merde. Accéléré comme un con. C'est quoi les propositions, Frico? Bah, il y avait Pau et Bordeaux déjà donc. Et Lyon. Luchon. Pau. Et pourquoi ils se sont arrêtés? Bordeaux et Lyon. Ou. C'est Pau. On est très bien placé. Moi je partirais sur Bordeaux, tu vois. Pour moi c'est Bordeaux. J'ai aucune réponse dans le jeu. Ah bah attends, moi je vais répondre. Putain, mais il marche pas le chat, il me casse les couilles. Ah si, ça marche. Redman dit B. Hop, C. Yezing C. Tu vois, cet après-midi. Bon, j'ai rien vu par rapport au tour. Mais... Je me suis fait bloquer par la moto. Des cailloux qui sont concentrés et qui nous foutent des vents. Ah, c'est eux les cailloux. Ça sert à quoi d'avoir la moitié des Français pour qu'ils te répondent pas? Putain, mais Dumoulin il fait n'importe quoi. Ouais, t'aurais pu poser la question en français. Ils sont bêtes, ils ont pas dû comprendre. Même les Belges sont plus intelligents qu'eux. Et pourtant, ils sont champions du monde. Ah, Gwanen il dit, ah, mais lui il est perdu, il a dit Luchon. Luchon, c'est vrai. Et Shadow va dire D pour le fun. Et c'est parti pour Sanchez. Et je suis parti de trop loin. Alors que ça accélère Shadow quand même. Shadow il va appuyer sur D, il va se mettre à relayer, il va pas vendre. Bon, je fais deuxième, allez, Pérez se balade. Encore non, c'est sur l'ancien ça. Shadow allez, qui. Fait 1, 2, 3. Et ça accélère bien avant la première côte. Bon, ça va, je fais deuxième. Vous savez qu'on a juste Beat Cycling qui est très mal placé, BMF aussi. Si on arrive dans la manille et que ça roule à fond. Je crois qu'ils veulent tenter des choses, les loups. Et je crois qu'on a les deux noms français qui sont très mal placés. Moi bon, je m'en sors bien. Moi. Surtout BeatCycling. Surtout BeatCycling. Tu fais troisième. Hein, et qu'est-ce qu'il fait avec nos autres? Un très bon. Moi, moi la scène du coup, il était bien, mais mes sprinters ils ont perdu les roues. Kreuzweig sans difficulté. Il a jamais accroché la roue de Nassen dans la rivière. Adam Yates qui a complètement explosé. Arrête ça, Trico. Pas du jeu. Après, et Polo qui a retiré ses messages. Qu'est-ce qu'il voulait dire? On a échappé au pire. On a failli avoir un triplé d'aller pérer. Ah oui, quand même. Il fait 1, 2, 4. Mais je fais 3. Ça va. J'ai complètement foiré la. Mais ça, alors que ça a cassé. Frico, BMF et Gazing qui sont partis avec aussi Bounen. Et derrière c'est Shadow qui vient de se faire complètement péter le cul. Oh, j'étais trop meur en fait. Ah, moi j'étais bien avec Nassen, sauf que normalement Dumoulin s'il était dans la roue. La team PCM Caillou qui est pour le moment piégée. Ouais, Bounen il a perdu ses deux sprinters. Bounen en difficulté, Shadow également.
Beat Cycling, y'a pas de monde. Il reste 88 bornes. Bon, on remonte Lyon, il est déjà 6ème. Lyon 6ème. Déjà à ta place. Lyon, l'élimination pour le pro des secondes chances. Lui. Putain, la scène, il était tellement à perpète au début du sprint. On peut applaudir Lyon. Et donc la réponse était bien Bordeaux. Merci ah. Public, merci. Et bah voilà. Arrêtez d'aller sur Google. Ouais, t'as Google. Raison, toi. Alors, on joue, nous, on regarde pas la télé. Bonus si j'arrive à trouver le nombre de fois que ça a été visité. Moi, c'était plus de 50, je dirais 51, tiens. 64. Non, 55. 51, 64. 55. Boxing, t'as un petit peu je crois qu'ils étaient aux alentours de la 50ème la dernière fois, là, quand il y a le chrono ou un truc comme ça. Soit. J'ai rien compris. 69. Niveau de Floxing. C'est donc 78 fois. Ah, j'étais pas loin, j'étais pas loin. Gazing, oui, la 50ème. Ah, c'était peut-être la 75ème alors. Sûrement. Il y a des chances. Et du coup, Pau, c'est à combien? Pau, c'est plus vers les 50, du coup, non? Peut-être. Ouais, Pau. Pau. Je sais pas, j'ai juste la réponse. Je crois que j'ai juste la réponse. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'il y a l'avion qui passe là-bas. Ah non. Devançant Pau et Luchon. Ah. Où le tour est passé respectivement à 62 et 47 reprises. J'ai cru que elle est ferrée. Hey, il voulait dire bonjour, mais non, ça a été ça. Ah oui, j'avoue. Et Kouai et Lyon, comme prévu, les deux dernières places. Donc du coup, Lyon se fera éliminer, et à cause de ça, les Espagnols vont croire qu'ils sont bons. Bien joué. On a éliminé en français, c'est qui Lyon? Non, en vrai, ouais. C'est moi qui vont passer. Lyon, faut qu'ils gagnent pour passer, quoi. Et moi, une deuxième place. Eh ben, dis donc, t'as beaucoup d'espoir. Qu'est-ce qu'il y a? Les 19 et les 3. 4. Donc vous faites 2 points. Ça fait Allez Perret, moi, Floxing, et Ibiza, Koué et Lyon. Donc pour l'instant, moi, il désigne que. Et Koué a disparu. Je crois qu'il a racheté. Mais il a quitté la game, mais je pense qu'il va peut-être revenir. Non. Est-ce qu'il m'a ajouté en ami de. Non, mais enfin, je crois que ça veut dire son. Car j'étais derrière lui, enfin, et puis. Donc, arrêtez. C'est quand même devant Lyon. Ah, attends, j'ai du tout arrêté le stream. Oh, Rico, l'enregistrement. Je peux partir là, mon pauvre. Ah, ça va, c'est plutôt cool. Pour la prochaine, du Capomel, ouais, plus que 12 bornes. Ensuite, on pourra ouvrir les yeux. C'est ça. Une bicyclette contient plus de 500 pièces, 1000 pièces, 1500 pièces, 2000 pièces. Des quoi? Une bicyclette. Contient plus de 4. Oui, moi aussi. Régulant un cadre et deux roues. Et même des pédales si tu veux, il y a un pédalier. Mais c'est le cadre ça, non? Bah non, c'est pas les mêmes pièces. Attaque d'Oulissi. Attaque de Diego Oulissi. Tant mieux. Mercato qui roule derrière. Putain, j'aurais été là, il y aurait déjà eu une attaque de Koudou, ça, non. Mercato. Le Mercato. Il a gagné. J'avais su, je suis encore tiré avec lui. Moi aussi. Ah, tiens. Ah, mais Koué, il est pas sur le Discord en plus. Non. Qui ça? Koué, parce qu'il rejoint pas la deuxième partie. Je crois qu'il a acheté là. Non, mais il est pas sur le Discord. C'est le TDD qui accélère avec son train pour revenir sur Bonhomme qui est attaqué à 60 bornes de l'arrivée. On peut pas le tag du coup. Il fait honneur à l'auto-NL. Ah oui, tiens, vachement. À la limite, s'il faisait gagner Roglic à la fin, je veux bien, mais. J'avoue de jouer. Mais c'est qui MMM qui nous a rejoint? C'est Holy Cool. Ah oui, Holy Cool. Ah, c'est Holy Cool. Je sais pas si c'est Holy Cool ou l'autre là. Only One. Ouais. Only One, je crois qu'il est pas pour lui. Putain, j'ai fait un CKM. Je pense pas que tu puisses, Red.
Non mais je sais, mais... Ouais, on va jouer à 5. Non mais je sais, non mais c'était juste pour dire que la prochaine fois, Spélé, au lieu de rush kit après la première étape, parce qu'il fait dernier, il est à sa place. C'est le rush kit de Koué. Et est-ce qu'il est dans la team PSM du mardi? Oui. C'est beau. J'ai cru le voir. Mais en fait, tous les Français qu'on connaît pas sont chez PSM du mardi. C'est ça. Ça veut tout dire, hein. Chez PSM du mardi, ça joue que le mardi. Oui, oui. Bravo. C'est pour ça qu'on les verra que demain. Quel beau train, l'auto-NL qui met le tempo en tête de peloton. Alors que Ulissi est en train de se casser les jambes. Il est en train de s'envoler vers la victoire, Ulissi. Ouais, ouais, ouais. Tellement qu'il avait déjà les bras de victoire. On s'emmerde toujours. Que ce soit pour ça qu'il levait son bras. Parce que la moto, elle l'a gêné, bien sûr, donc... Ah, c'est bon, on va commencer à ça. Il a été bloqué par la moto comme notre ami Joe Style hier. Prenez bien vos coureurs. De toute façon, ça allait le prendre tout seul. C'est un capot qui est un beau. Ah là là, capot. Arrête, mon 40 bornes. Un peu. Voilà, il prend. Arrête de faire du drone de. Le point. Oh là, c'est un top. Ouais, mais. Comme d'hab. Dernier de l'étape. Bah ça fait quand même en 4 étapes où je fais gaffe, ça fait au moins 3 fois que c'est le premier lâché. Ah, regarde. La trappe où il va. Non, non, je vais pas à fond. Hein. Il va nous la mettre à l'envers. C'est une casquette. Casquette à l'envers. Une bonne rêve. C'est pas le marlou. On va mettre le stream. Non mais Bennett, y a même... les joueurs n'ont plus de respect envers Bennett, c'est nimp, hein. Chaque fois. C'est triste. Ça fait déjà trois soirées où c'est qu'il se fait lâcher en premier, franchement. Attends, du coup, Léa, si par exemple Lyon, il fait 6ème et là il gagne. Moi je fais 2ème, enfin j'ai fait 3ème et là je fais 2ème. Et Slomi fait 3 et 2. C'est comment les points qui ils ont 120, les deux, 120, les deux 120 points et Lyon en a 118. C'est ça. Sauf que. Dans ce cas-là, Alepéré risque de rester devant, et du coup, si c'est vraiment ce cas-là, je suis derrière parce que c'est la deuxième étape. Non, mais si vous êtes que 5 à l'opérer, il va choper 125 points au minimum. Alepéré est sûr de passer. Bah oui. Si vous êtes que 5, il est sûr de toi passer. Toi aussi, c'est terminé, je pense. La question de Floxy de qui devait être, est-ce qu'on peut se qualifier tous les 3? C'est non, on te le dit de suite. C'est oui. La question, si ta question c'était est-ce que Lyon peut passer? Non. Voilà, c'est ce que je disais là en live et. Je suis ce petit. Est-ce que le Lyon est à biscuit? Oui. Oui, voilà. On peut le confirmer. Alors qu'on s'emmerde toujours sur cette étape. Ah, oh, t'es bien parti. Si je fais 4 ou 5, je passe pas. Alors. Attaque de Fabio Arou. Bah, ça dépend. Moi, j'ai juste un c'est qui s'est fait lâcher. Ou d'ici. Et les 82 qui vont tenir. Regardez position et ça clignote. Okay. Oh, c'est Robert, il est en tête, c'est le meilleur. Il est trop chaud. Il est en tête de peloton depuis 20 bornes avec son train. Ouais. Et il est toujours présent. Toujours là. Toujours vivant. Rassurez-vous. Ah, il y en a un qui a pensé la même chose que moi, j'ai l'impression. Oui.
Oui, t'inquiète, on a. Faut arrêter de t'en déperdre comme ça, hein, d'ailleurs. Attaque de Pinot. 14 km et on se fait toujours chier. Et ça roule. Et ça fait mal. Non, c'était pas ça. Et aujourd'hui, non, on vous a pas dit, mais c'est karaoké. Eh, mais Ronald, comment il se. Oh, le cancer de lui. Alors qu'on est à 2 km du podio. Ah, ouais, on est là, on y est. Bon, bah, allez, les gars, bonne chance. Ouais. Oh, les beaux blocs. 40 minutes d'attente pour. 40 minutes d'attente pour se faire bloquer par Matteo Trentin qui va être complètement mort à la fin de la montée. C'est beau. Là, je suis coincé derrière. C'est regardez, Kreuziger qui va. Non, il bloque personne, Kreuziger, dommage. Et il met resté position 85 aussi, lui, on pousse lui à chaque fois. Mais oui, c'est hyper long. Poussez-vous là, poussez-vous. Gazing qui essaye de se placer, mais il a un peu de mal. Poussez-vous, vous m'emmerdez là, les Orica crottes là, dégagez. L'Orica. Quoi, Orica. Et tout le monde attaque d'un coup. Gros team attaque de 50 coureurs. Oh, le 4-6 de Frico sur. Oui, Matteo. Le 4-6 de. Le 4-6 de Frico qui a complètement arrêté Melchies. Oui, bien sûr, le 4-6, oui. Oui. Bien sûr. Tout le monde est placé. Sauf Boonen qui est un peu plus derrière et Gazing également. Beatcycling, lui, il a plus que. Beatcycling n'a plus que 182. Oh là là, regardez BFM TV, comment il est placé. BFM TV, très bien placé. Ça sent le reportage en direct. Pour le joueur. Le reportage. Au plus proche de la course. Le sprint, Nibali est devant. Crush Vax le dépasse. Louis Léon. Et ça va être Clément. Non. Louis Léon. Gazing. Oh non. Non. Et il est bouffé par le meilleur joueur italien. Non, pas italien, espagnol. New Shadow. Shadow il fait 12. Ah bah. Non, il fait. Ah bah Shadow. On dit quoi? On dit au revoir. Ouais, Shadow, il avait qu'à jouer au jeu quand on lui a posé une question tout à l'heure. C'est bien fait pour lui. Vous faites combien, vous? Moi, je fais 2. Je me fais manger sur la ligne. Putain, mais je peux pas attaquer. 2, 3, 4 pour les joueurs français. Alors, du coup, 100 points pour BFM TV. Ouais, j'ai envie de dire Kemix, c'est encore une fois le meilleur qui gagne. Hein. 70 pour la Guess Gaze. 50 pour moi. Ah mais Cummings il avait 77 ans. Ça sent le fumé. Ça sent le fumé pour Shadow. Cycling et 18 pour Shadow. GG. Et du coup les Espagnols qui vont y croire. Ils sont 500 000 joueurs sur pour les. Et merde. J'ai pas mis une protection à suivre de toute l'étape. C'est ça qui est encore plus terrible. Bah moi en fait il y a juste Lyon là qui a mis. Mais non mais il a raison, elle est purée cette attaque de la première place. J'avais toute mon équipe qui était en curseur 90 dans la descente et ensuite j'ai fait sprinter tout le monde à 1,5 km. Et j'ai fait. Moi j'avais Tim et Chavez qui ont été protégés toute l'étape, j'avais Derwidge et Ewan dans en studio. Bon on a vu que c'était utile. Bah c'était pour les... dans le final, je savais qu'ils allaient pas suivre. Ah. C'était juste enchaîné. Ah, du coup, je fais 2. Ah, mais j'avais pas vu, je fais 2-5-8. Moi, je fais 2-6 et je fais 3-6. Regardez Shadow, tous ces coureurs paumés derrière. Putain, mais il a déconné, Louis Léon. Hein. Sans le pire, c'est que j'ai Chavez qui se fait bloquer dans le sprint. Ouh là là, un bloc. De quoi? Ah, oui, je fais 3 avec Chavez, oui. Ah, ouais, 3 avec 82. Le truc c'est que dans le sprint, c'est Chavez qui va plus vite mais il s'est bloqué. Oui il était coincé parce que je te voyais là. Bah oui, il y a le BFM TV là qui a mis tous ses coureurs devant. Bah j'avais fait la même. Report BFM TV. Et je me fais bloquer de ouf. Que j'attends un peu pour lancer mon sprint. Ah McCormick, on sent qu'il est qu'il est en train de pleurer là, il est obligé de créer une partie tout seul. Manderbridge il se fait bloquer par un Lotto NL là. Sinon il passe top 5. Ah mais si c'est moi qui joue avec, et ben, ils auraient pas été bloqués avec l'autonomie. Bon en vrai ça va mais pas confiant quoi. Troisième ça fait chier. Et ça sent aussi le cucu pour notre ami Veillos. Oui. Il a raté. Qui est à 45 secondes du peloton. Ah.
Par contre. Ah, c'est Emea qui le stream, je crois, non? Non, c'est Pierrot. Emea, il est en électron libre, ça. Enfin, je crois. Par contre, Shadow qui fait dernier, là. Ah bah du coup c'est cool, je suis presque passé, moi j'ai fait 2. Bien joué. Parce que Shadow je pense qu'il va se... Si j'arrive à passer mais je suis trop fort. Bah je suis nul en pavé aussi. T'es bien là normalement t'es bien là. Donc j'arrive à faire top 3. Quatrième encore ça doit le faire, mais faut pas que je passe 5 ou 6. Vaut mieux faire top 3 pour être sûr. Ouais, top 3. Et pourquoi c'est moi qui roule? Bah si je fais 4, je vois pas qu'il peut me doubler en fait. Si t'arrives à avoir 100 points... t'as de grandes chances de passer. 2 et 4, ça fait bon. Du coup, attends, le troisième, il rend pas combien de points? 50. Ah, non, ça va, c'est pas mal. En tout cas, on a pu voir comme quoi Team PCM Village au-dessus de la Team Skype. Et du, c'est quoi vos résultats, du coup, à vous? Frico, il fait 3. BFM TV premier. BFM TV premier. Gazing 2. Moi, je fais 3. 4. En 4, on a Bonhomme. 5, Beat Cycling. Et 6, Shadow. Oula! Donc et Shadow, hein, champion du monde en titre. Non, il fait deuxième. Non, champion du monde en titre. Champion du monde en titre sur les classiques, hein? Oh. Oui, Shadow il gagne les classiques. Et ben voilà! Le champion du monde. Il va se faire sortir par un random et le champion de France de l'an dernier. Double numéro de titre, même si tu veux. Pas ici. C'est beau. Ah, tu peux prendre la Lotto NL si t'es avant Beat Cycling. Je sais pas si... Non, parce qu'il faut prendre les mêmes sur les deux normalement. Lyon, il attaque avec deux cours, mais après. Lyon, il est chaud. Putain, moi je me cherche un dessin. Hein. Oh non! Oh non, il y en a qui se... Il y a Guillermé qui se plaint d'un bloc. Ah. Ouais, mais il est pas chez la nous. Prochaine, à non, mais il va avoir du boulot, Tréco. Oh oui, c'est vrai. Dans quel groupe? Haru, Blocktust, yes, I sorry, my bad. It was that ridiculous. Make an appeal on top me. An appeal. Appeal, quoi. Make a sex appeal on top me. We have very stream, will you decide to make a round jury? Il peut pas rouler à l'épée. Ah ouais, mais je vais pas mettre un gros effort curseur pour vous prendre tout le vent en deuxième place avec Bardet. Voilà, il met son équipe, comme ça il peut rouler. C'est quoi chier. Et c'est le stream, et c'est le bordel sur mon stream, on ne voit plus l'écran. J'ai rajouté trop de trucs. L'écran. Et Baptistin qui va rager parce que Shadow qui l'a éliminé fait de la merde. Ah oui, là oui, c'est de la merde Shadow. Je sais pas ce qu'il a fait là. Mais... Même quand on est tape, je crois qu'il n'y a rien de l'autre. Il croit encore qu'il y a une seconde chance. Dommage. Bah là, Shadow, comme ça, il passe. Et Frico en demi-finale. Allez, Frico. Trico en demi. On y attend, on s'y attendait pas. Comment ça, on s'y attendait pas? Oups, pardon. Quand même, faut pas déconner. Après, c'est clair que vu après le après les draws, hein, j'étais pas confiant pour passer en demi. Mais... Oh, le... les deux qui me faisaient peur, ils sont derrière moi. Et attention, est-ce que vous êtes prêts? C'est parti! Non, je déconne. Les beaux blocs, allez! Ronewegen, est-ce qu'on s'en foutrait pas un peu? Ouais! Attaque! Yahoui Koudous, ouais! Atapuma! Il y a tout le monde devant en fait là, sauf. Ouais, il y a des coupures, hein. Ah, mais t'as fait deux points. Ah non, sauf qui? Bah, tout le monde est devant. On est 5 devant? Oui. Ah, c'est parti. Ah oui. Koudous, c'est parti! Allez, Koudous! Allez, Koudous! Koudous, il est sorti! Ouais, Koudous. Famoso Koudous. Tout le temps là dans les petites échappées. L'Érythréen. Incroyable. Bon, eh ben, on va s'ennuyer encore un peu.
fait mal au vieux Cormon. Qu'est-ce que c'est avec tes pouvoirs là? Qui, moi? On s'amuse quand? Parce qu'ils abandonnent pas. Et je les vois tous, c'est en danseuse là. Ils sont à fond. Allez, sans trop qu'on arrive. Fais ton boulot. Fais ton boulot et casse la game. D'accord. Attaque de coup douce encore. Coup douce, coup douce. Allez. Coup douce. Le champion, il insiste. Oui, oui, mais il fait n'importe quoi. Tu vois que ça commence à jouer. Avec 173 montagnes, avec Woods, il fait que attaquer encore. Ouais, c'est ça. Et il attaque là avec le 164. Attaque de Bozic. Non. Non. Pas de Bozic. Ça doit lui, c'est ce qu'il doit faire, il a tenté les trucs. Ouais. BFM TV, il a bien géré le Milan Sorin. Ah nous, les Perrin, nous a bien mis dans le cul. Ouais. Allez, Péré, Camille, tout le monde dans le cul. C'est quand qu'ils abandonnent mes coureurs, au fait. Est-ce que tu les as pas laissés sur la ligne de départ? Je pense que vu qu'il y a en very bad, genre la voiture balai met plus de temps à arriver, je crois. La voiture balai qui prend 2 heures à arriver. On a le temps, on fait mieux en soirée mot. Et on se fait encore chier. Génial. Il est où Lulu? Bah pas là. Lulu non, il est pas là. Il s'est fait bloquer. Pas de Lulu. Ouais. C'est bien les classes quand même. On fait rien pendant 100 bornes. Et après on fait rien. Mais en étant plus concentré. Vous êtes encore devant. On a pris un peu d'avant. Vous en êtes à combien d'arrivée vous? 116. C'est génial parce qu'on voit toutes les équipes qui sont derrière et toutes les équipes qui sont devant. Voilà. Faut meubler. C'est un forfait cycling qui va faire le tempo. Le favori du groupe. Je sais pas quoi faire pour meubler. Sortir mon quiz, mais là j'ai moins envie. Non, sors-le d'ici, ils sont morts. Ils sont morts. Non, non, mais jamais, c'est une attaque, une capture là. T'as qu'à chercher des quiz sur internet. T'as combien d'écrans, Rêve? Ah, mais j'ai mon tel. Ah, mais va chercher des questions sur internet avec ton téléphone. Question pour un Fignon, c'est parti. Question pour Laurent Fignon. La question pour un fion. Pour un fion. Les meilleurs cyclistes mondiaux en 2011. Philippe Gilbert. Merde, en plus c'est celui qui avait la tête du début. J'ai rien compris. Gilbert, il fait le triplé en 2011. 2011. Non, le traité d'hiver c'est 2011. Ouais, c'est merci, ce que j'ai dit, 2011. Fricot. Pardon, mais j'ai pas compris. Non, mais j'ai pas compris. Merci pour ces informations. Merci, Frico. Tour du France record, toujours. Eddy Merckx détient encore aujourd'hui le record du nombre de jours en porteur du maillot jaune sur le tour. Quel est ce record? 21. 97, 82 ou 76? Quand t'as un jour dessus. 76.
21, c'est. Va falloir finir le quiz pour avoir les réponses. Super. D'accord. Vous les aurez à la fin. Il est devenu l'homme le plus rapide du tour dans l'étape en ligne Laval. Blois en 99 en réalisant la moyenne horaire de 50,355 km/h. Zabel, Cipollini ou O'Grady? Tiens, toi, Félix, finis le quiz et à la fin tu nous donnes les questions. Comme ça, t'as les réponses directes. De quoi? Attends. Non, mais faut qu'il retienne les questions et ça, c'est compliqué. Non, mais il les verra en direct pendant la correction. Mais oui, parce qu'en fait, t'as toutes les questions d'affilée, puis après, tu fais voir les résultats. Et t'auras tous les résultats. Parce que si je fais voir les résultats, vous voyez répondre aux questions 2, 3, 4. Ouais, bon, bref. Du coup, qui est l'homme le plus rapide du tour avec l'étape Laval-Bois? Mario. Stuart. Non, c'est Eric. C'est Eric. On verra. Raymond Poulidor est le détenteur des podiums du tour avec 2 fois second et 6 fois 3ème, 4 fois second et 4 fois 3ème, ou 3 fois second et 5 fois 3ème. Le premier. 3 et 5. 2 et 6. Non, il a été plus que 2, je pense. 2 et 6. On va partir sur 3 et 5 aussi. La majorité. Depuis 1947, le plus gros écart entre le vainqueur Fausto Coppi et son second en 1952. 28 minutes et 17 secondes. Mais qui était le second? Brick Shot, Gino Bartali ou Stan Hawkers? Bah, Bartali. Bartali, non. Ah, peut-être pas sur le tour. Moi, je dirais Hawkers. Moi, je vais quand même dire Bartali dans le tour. J'aurais juste 2 minutes. Je vais chercher les mouchoirs parce que je suis enrhumé. Ouais, c'est cela. Ah, bah, super. C'est inquiétant quand même. Il aurait soigné-en le nez qui coule. Depuis 1947, il détient depuis lors le record de la plus longue échappée en solitaire sur l'histoire du tour, 253 km. Mais qui c'est? Édouard Fallsteiner, Albert Bourlon ou Elouat Assa? Elouat. Le Boulon. Bourlon. Matteo Battesini fut en 1931 le plus jeune vainqueur d'étape du tour, record qu'il détient toujours. Il avait ce jour-là 19 ans, 4 mois, 13 jours, 18 ans, 9 mois, 2 jours, ou 20 ans, 6 mois, 8 jours. Ouais, il va avoir 18. 18 ans parce qu'il y a. Regarde comment il s'appelait le deuxième vainqueur, Cornet, je crois. Oh, Rudy Mollard, lâché. 18 ans. Qui aujourd'hui est encore le détenteur du prologue le plus rapide du tour avec une moyenne de 55,152 km/h? Thierry Marie, Thierry Marie, Chris Boardman ou Tommy Rominger? Ah oh bah. Boardman. C'est Juan Denis. Oui. Mais non, c'est pas un prologue, c'est un poil plus long de 9 bornes. Ah ouais? Bah c'est Boardman alors. Oh ouais, en le remportant en 1922 à l'âge de 36 ans et 4 mois, il reste toujours le plus âgé des vainqueurs du tour. Hein? Bah, c'est. Eugène Christophe? Non, il est pas dans les propositions. Non, Philippe Tiss. Philippe Tiss, Léon Sieur ou Firmin Lambeau? Firmin. Quelle année? 22. Non, mais c'est le plus vieux vainqueur. 22? Non, c'est le vainqueur le plus vieux qu'on a dit. Si. Ouais. Mais c'est pas Evans? Non, c'est pas Evans. 36 ans et 4 mois, hein, il avait le plus vieux. Non, Evan, ça va être 34. Max. Du coup, Philippe Tiss, Léon Sieur ou Firmin Lambeau? T'as dit, c'est Firmin Lambeau. Moi, je crois savoir parce que j'en connais un des trois et puis je sais qu'il a gagné le tour et pas les deux autres. Du coup, je pense que c'est Tiss, mais je suis pas sûr. Malgré ses aveux de dopage, Lance Armstrong reste le détenteur de la moyenne la plus élevée avec 41,654 km/h. Mais en quelle année? 98, 2000 ou 2005? 2005. 2000 parce qu'il y avait masse de plat. Combien de fois Richard Virenque a-t-il ramené le maillot d'un poids du meilleur grimpeur à Paris? C'est très simple, dis donc. Avec 17... Moi, j'entendais un gars crier 9. Hein, oui, ouais, c'est Slomi. Ouais. Avec wow. 17 fois au départ du Tour, du Tour de France, il est le recordman des participations à l'épreuve. Zoutmelk, Voigt ou Incapi? Zoutmelk.
Ah mais c'est Voight. Une capi, t'as raison, c'est sûr. Mais pour terminer, quelle ville après. Ah mais non, celle-là on l'a déjà fait. Quelle ville détient le record du ville étape? Bordeaux. Luchon, Pau ou Bordeaux? C'est Bordeaux du coup. On va aller voir les réponses. Attends, il m'a grillé de quoi? Vous avez 75% de bonnes réponses. Hein. J'ai pris la majorité des réponses du coup. Ouais, c'était 60... c'était 97 jours pour Eddy Merckx. le nombre de jours avec le maillot jaune. C'était bien Mario Cipollini qui a été l'homme le plus rapide sur une étape avec ses 50,355. C'était bien 3 fois second et 5 fois troisième pour Raymond Poulidor. C'était bien Stan Hawkers qui avait fini deuxième derrière Fausto Coppi. C'était bien Albert Bourlon qui a fait la plus longue échappée. C'était 19 ans et 4 mois et 13 jours pour le plus jeune Fabio Battesini. Ah mais t'avais dit son nom dans les sous. C'était Chris Boardman qui a fait le prologue le plus rapide. Et dont Thierry Marie. C'était bien Firmin Lambeau qui est le plus vieux vainqueur du tour. Merci. Bien Firmin. C'était en 2005 pour Lance Armstrong. Lance Armstrong, c'était bien en 2005 qu'il a gagné. Avec. Il y avait une question sur lui. De quoi? Moi j'avais même pas entendu la question sur Armstrong. Moi. Oui, c'était quand est-ce qu'il avait fait le tour le plus rapide, mais c'était en quelle année? Ah oui, du coup c'était l'année. C'était 2005. Allez, j'ai dit. C'est donc du coup Richard Virand, qu'est-ce que je vous dis la réponse? Vous avez pas besoin. Peut-être pour Somi c'était 7. c'était bien Incapi qui avait fait le du coup 17 départs. Ouais, et c'était mais... bien Bordeaux. Le record de ville étape. Il date de quand le quiz? Le quiz il date de quand? Je suis quasiment sûr qu'Aurin Denis s'est battu 2014. Non mais Denis j'ai été voir, il faisait 13 bornes, ah, le truc qu'il a fait. Bah c'est plus ouais, long mais... qu'un prologue. Ah mais Yann Zoid il l'a... Ah mais non. Un quiz. Et vu qu'on est sur des classiques, on va faire un quiz classique. Sur les classiques. Eddy Merckx a remporté... Eddy Merckx a remporté 7 fois cette longue épreuve organisée depuis 1907. Oh le sac à foutre de Vries. J'ai pas besoin de vous dire la suite parce que sinon... Je vous dis pas la suite parce que sinon c'est trop simple. Et du coup... Ouais. On peut nous laisser du suspense. Là, genre il y a personne qui roule. Je peux pas vous dire la suite en fait parce que sinon en fait c'est trop simple à trouver. Hein. Du coup, je vous dis les propositions quand même. Lombardie, Milan-Sanremo, San Sebastian ou Lombardie. On dirait que c'est Milan-Sanremo. Oui, parce que c'est écrit quelle course est surnommée la Primavera. Donc quelle grande boucle a été remportée. Oh mais non, mais la question, Tom Boonen a remporté cette course à 5 reprises, etc. Cancellara s'est imposé en 2013, là, là, là. Le Grand Prix de l'E3, le Grand Prix de l'E25, le Grand Prix de l'E411. D'accord. Les propositions, c'est génial. Hein. L'E411. Allez, l'édition de cette classique printanière s'est disputée sous la neige quelque part en Flandre. Entre Gael et Wargem, entre Gand et Wevelgem. Entre Genk et Zotmegem, oui, oui. Proposition, c'est de la merde. Non, mais cherche. En fait, les propositions, c'est un peu de la merde. Hein. Le Belge Tom Boonen et Roger De Valmack détiennent conjointement le record de victoire avec 4 titres. Et... Paris-Nice, Paris-Brest ou Paris-Roubaix. Paris-Brest, c'est le meilleur. C'est le meilleur Paris-Brest. Course cycliste créée en 1913. En 2013, l'épreuve est remportée par un cycliste bien préparé. Quel est le nom de ce monument du cycliste? Le Tour du Toscane, le Tour du Finistère, le Tour des Flandres. Plus. Je pense que c'est le tour de la Franche-Comté. Le tour de Pays d'Alor. La première des classiques ardennaises a été créée en 1966. Quelle marque de bière sponsorise la Gold Race? Amstel, Heineken ou Gulpener? C'est des questions vraiment pourries, hein. Comme on va faire un quiz sur les légendes du cyclisme. Ah, il y a que deux propositions. Oh, c'est plus simple ça. Mais De Vries, il est coincé par la voiture, mais sans blague. Ah, il disait, il fait que ça, attaquer. Oh là là, le train Gazing bloqué.
Mais t'as vu la voiture quand même bloqué dans le côté, De Vries, il pouvait plus passer ses coéquipiers. C'est de la faute d'Empereur of Po. Avec Christian Prudhomme. T'as du coup casing que là, ça pue. Bah ouais, j'ai une crevette. Vous allez pas laisser Beat Cycling se qualifier non plus, hein, avec BMW. Hein. Voilà, parce que j'ai crevé. T'as crevé avec De Vries? Mais oui, j'ai crevé sur le premier pavé. Ah merde. Ah oui, je suis pas derrière pour le plaisir. Hein. Ah, il fait une Joe Style. Est-ce que ça va passer? On la connaît la technique de Joe Style. Il a crevé en plein dans la bosse. C'est Shadow. Si, il roule à fond les deux moustiques. Ouais, moi aussi je pourrais rouler, hein. Ça, je peux faire de même qualité. Mais en plus, regarde, à chaque secteur pavé, j'ai la voiture. Ah là, ça va, il est passé de l'autre côté. Tout à l'heure, il y avait la voiture et en fait, il est passé de l'autre côté. Enfin, il est resté coincé. Parce que la voiture l'empêchait de sortir du coup du train, si je puis dire. Allez Bounen, tu vas. Allez, non, allez, pourquoi je dis Bounen? Allez Gazing. T'as pu. Allez. 28 secondes pour Gazing, 30. Allez, allez. C'est Beat Cycling qui va à fond du coup maintenant. Ça joue vraiment les chiens contre Gazing. Oui, Gazing qui revient avec De Vries. C'est qui le Bahreïn là, qui fait chier? Putain, le Bahreïn, comment je me suis coincé? Oh, Colbrelli. Moi je suis rentré. Bien joué, champion. Bon, du coup, là maintenant t'as Lutsenko qui est lâché, mais. Vas-y, y'a BMF qui est lâché avec Bossenhagen, roule! Vengeance! C'est qui a attaqué devant du coup là? Attention, Viermo, il risque de bloquer, il est mort. Je me suis fait bloquer. Oh, Lutsenko, c'est fini? Non, enfin, pas pour toi, je parle. Pour Gazing. Mais elle est terrible ou pas? Gazing? Non, Lutsenko il va bien, c'est juste qu'il s'était fait bloc. Mais t'essaies pas de le ramener, non? Parce que dans ton groupe, ils sont tous morts en fait, du coup. Ouais, mais j'avais pas vu qu'ils roulaient pas les gars de devant en fait, je pensais que j'arriverais jamais en. Étape difficile pour certains. Pour Shadow, ça a pu quand même parce qu'il a plus que deux coureurs. Enfin, trois avec Navardos casse devant. Mais... Navardos casse. Et Cavendish, ça va être fini. Alors que le champion espagnol. Il est là. Y'a Kudus toujours là. Et le train Frico. C'est fou ça, je me fais full bloc. Y'a pas mal qui sont cuits dans le groupe, hein. Ça accélère un peu, ça explose. Ah, moi ça va, De Vries il a récupéré, je suis content. Je sais que ça serait plus dur. De Vries va faire une Bozic. Oh. Son chef. Navardoskas, il garde un petit écart, mais du par coup. Par contre, ça... elle est terrible. Ça sert à quoi ça, Navardoskas, à part se cramer? Et à cause d'Ali Perry, je suis éliminé. Pourquoi? Bon, parce que le mec il me fait lâcher à cause d'un bloc et après il rebondit. Nice. Ah, mais du coup, c'est éliminé. Lui, on peut passer! Allez, Lulu! Non, il peut pas passer. Non, mais vous allez pas me dire comme quoi il y a qu'un Français qui passe, hein? Bah, c'est... Putain, je vais vous frapper. Les Espagnols ont fait comment là? Oh non, mais c'est terminé pour moi. On fait comment nous avec
On fait comment nous avec les Espagnols là? Ils vont se la péter parce qu'ils seront encore 15 en demi-finale. Ouais mais c'est bien parce qu'en fait comme ils sont... Même si on sait qu'on pourrait, il n'y en aura aucun qui gagnera, parce que c'est franchement Alperé qui va gagner la finale, vas-y, c'est bon. Les Espagnols ont la confiance là, décevé. Ok, oh Lyon qui gagne, je fais 2, et je le mets 3. Non. Quoi? Vous faites un... Oh non, je suis out, je suis éliminé. Putain. Quoi? Oh, fais chier. Attends, Lyon, ah non, je suis devant Lyon, j'ai rien dit. Lyon il gagne? On peut pas dire que Lyon s'en met une. Alperé il fait combien? Et 135 et pour Alperé, 135. Ah, pourquoi Lyon il passe pas, c'est le camp. Putain, j'ai eu peur. Allez, allez, Lyon! Oh mais c'est riche. Lyon, biscuit, il gagne! Ah, mais attends, non! Allez, PLF est 4, il a 135. Putain, Lyon, non! Non, Lyon, c'est non! Il est bizarre, il est bizarre! Bah, ça va, vous êtes passés, c'est bon! Putain, j'ai eu chaud! Ah mais il est bizarrement foutu ce match. Et on a plus personne dans notre équipe pour les classiques. En même temps quand t'as Lyon comme seul espoir c'est difficile d'en avoir mais... C'était perdu d'avance. J'aurais peut-être dû prendre sa place. Attends on fait tous les trois, on fait tous les trois égalité. Non, vous êtes à 120, vous êtes à 120. À part vu que Kowai a quitté, il compte pour la première étape. Parce que si il compte pas chez la première étape, du coup, Lyon, il passe devant l'un d'entre vous. Il passe devant moi parce que Floxing, il fait une meilleure deuxième étape. Voilà. Mais ça s'est joué à 3 peu. Mais non, moi je porte réclamation sur ce set. J'avoue. Alperi, il fait combien? C'est pas contre Lyon, mais enfin bon. Il mérite pas, ce sera un peu la mafia. Il a rien fait, mais. Genre, il était là, il nous a cassé les couilles. Ah, oui, ils sont. Non, mais j'ai pas du haro. Accélération, pas du haro. Et depuis quand il y a encore les 82 sur cette étape là-haut? Ah, si, ils ont pas fait protéger. Ah, c'était chaud. Ah, je me suis fait boost. Enfin, raid. Quoi? Je me suis fait un raid. Dommage, y'a plus Lulu. Ok, je me fais traiter de fils de pute parce que je n'y pas. Waouh, c'est humeur. El famoso. Ah, il a eu des lags. Arrêtez. Lyon a eu des lags. Et le triplé belge. Attaque des Bahreïn. Lyon a eu des likes, c'est pour ça, vous inquiétez pas. Ouais, la quantité de garder. Oh merde, j'avais pas vu la côte. La team bank est en route, bah là. Et la voiture. Ouais, moi aussi, regarde, je suis derrière toi. Moi j'ai dû passer derrière toi, c'est encore mieux. Dégage, Bossingen. La voiture qui fait chier. Oh, j'avais totalement oublié la côte là. Ou des lâchés pour Bounan. Ah ça va pas commencer Bounan hein. Tu vas pas commencer à lâcher sinon après ça va être l'autre con de Bitsaking qui va passer et je vais rager. Mais non, pour l'instant ce qui passe c'est BFM TV, Gazing et moi. Ouais mais fais gaffe à l'autre con avec sa NL là. Bah lui il est pas dangereux. Bounan, le placement. Il y aura peut-être un Eichot encore ce soir ou... Est-ce qu'il y aura encore un Eichot ce soir ou pas? J'espère que Lyon va pas passer sur mon stream par contre parce que quand il va le voir il va...
J'ai mis un petit truc dessus. Il va pas être content quand il va le voir. Lui en biscuit, il t'a rendu ton même. Oui. Par contre là. BMFI qui fait encore le mur. Quel enculé. Et on appelle ça le meilleur joueur espagnol. Non mais dis donc. Même moi je sais mieux jouer avec. Par frico. Oh, coup douce. Je me fais coincer par mon propre coureur. Coup douce, coup douce. Allez, mais dégage-toi, putain. Je me fais coincer par mon propre coureur. Ouais, mais moi aussi. Quoi? D'accord, allez, avance, avance, avance. Pédale, Maurice, pédale. Voilà, je sais pas si j'ai fait du bug à la con. Pauvre Lulu, GG. Tu n'as pas ici pour pleurer là. Tu m'as fait peur, Lulu. De quoi? Parce que si tu passes, c'est moi qui suis out. Ah merde! Non, mais en vrai, je m'en bats les couilles. J'ai gagné une étape, c'est déjà bien. Il s'est cassé. Mais en fait, je suis pour te dire, la première game, le mec était vraiment juste derrière. Il était dans la roue. Et ouais, il les a enlevés. Non, parce que je sais que moi, dans l'entraînement cet après, c'est pas le changer de groupe qui se fait plus. Lyon, mon petit biscuit. Mon petit biscuit. Mais je fais 4ème. Ouais, mais t'aurais dû mettre Fort Curseur 90. Ouais, mais bon, je pensais pas que le jeu était cassé non plus. J'ai plus rien. Lyon, mon petit biscuit préféré. Mais quoi, toi? Du coup, qui c'est qui a lâché là? J'ai gagné, gagné. Sutherland pour Bouden. Je passe pour 2 points, c'est ça? Pour 5. Ouais, en gros, j'étais 5. Non, pour 2. En fait, j'étais 5ème la première étape, je pensais que c'était ça. C'est ça, ouais. Ah. Mais t'imagines. Attends, mais vu que là, t'es pas là pour deuxième étape, est-ce qu'on peut lui enlever les points de la première étape? Ouais, c'est la mafia si c'est ça. Si c'est ça, je suis un voleur, si c'est ça les mecs. Ouais, t'as un voleur. Surtout que si c'est ça, tu m'élimines et je perds parce qu'à la deuxième étape, l'autre team fait mieux que moi, genre on a le même nombre de points. Par contre, j'ai joué comme une grosse putain deuxième étape. Ouais, mais j'ai attaqué trop tôt avec Nelson à la fin. Ouais, mais en fait. Bien que ça arrête de bloquer. Vas-y. Vas-y, Sanchez, bloque Cummings. En fait, bloquez Cummings. J'ai full suivi en fait, moi, j'en battais les couilles. C'est bien joué, t'as bien fait. En fait, dans la descente, je savais que j'étais derrière un mec, mais je savais que j'étais plus rapide. Donc je me battais les couilles, puis j'étais en mode. C'est bon, j'ai win. Genre, à kilomètre, c'était en mode, j'ai win. Mais bon, dommage. Pourquoi quoi, ouais, il s'est ramené pour la première game, quoi. Putain, j'aurais fait 5 et je serais passé. Mais bon, ça aurait été un vol, hein. Parce que vu mon niveau en route, ce qui est immense. On en est où Pumpkin? Ah, Pumpkin il arrive à l'arrivée. Là. Bon, moi je vous laisse. Un peu ici. Ici, Lutsenko est mort, Visconti est mort, Bennett. Ah merde, je suis mis depuis une heure. Sanchez, ça fait exprès qu'il soit lâché? Non, ou il est mort? Non, il est en curseur 90, il n'arrive pas. Ah. BMFI il protège Cummings avec coup douce, mais il laisse Boissonhagen devant. Et de toute façon, ils sont lâchés en plus. Il peut pas aller, il arrive à rentrer hein, pour se protéger. Oh non, les blocs, sérieux là. Putain, mais c'est quoi ça? Mais sérieux, on peut passer là? Insupportable. Je peux rien faire quoi sur les cartes, je me fais bloquer à chaque fois. Moi aussi, je suis toujours derrière toi. Toujours dans les roues quoi, et c'est Beat Cycling qui a deux mecs devant. Quel mec joue comme un tordu depuis le début. Et du coup BFM qui a bloqué tout le monde et ben il est bien. Ça sent pas bon là. 4 Français, il y en a pas beaucoup qui vont passer on dirait. Hein. Bah si, 2. Attends, c'est pas fait là avec Beat Cycling. Regarde il se décale. Oh, je me le prends dans la gueule. Shadow. Non parce que là si Beat Cycling gagne, attention hein. Ça lui fait 125 points. Il va gagner. Non, c'est envie qu'il y ait du rouge jusqu'à la fin. Bah si, parce que regarde, c'est de la grosse descente. Pas du jeune, je veux dire.
Voilà, il a plus de jaune. C'est bon, ça. C'est très bon. Nice. Oh non, il me bloque, t'es sérieux. Il a surtout bloqué Gazing. Gazing, faut pas que tu finisses derrière Shadow, devant. Non, BMFi. Non, mais moi j'avoue. Oh, BMFi, décale-toi. Victoire. Victoire de Matteo Trentin, non. Oh, ah, banane. Et Gazing qui passe pas du coup. Non. Bah si, je fais 2 et 4, je devrais y arriver quoi. Non. Alors, c'est pas sûr hein. 2 et 4 c'est Bonen. Hey. Bonen shop 100 points. Bonen fait 1 et 4. Frico fait 2 2. Attendez. J'ai les scores. 70 points. Tu passes pas hein. BMP. Gazing. Non, tu passes pas. Ah, attends, dis-moi pas que BMP je passe. BMP 50. Astana, Gazing. Si tu passes pas hein. 35. Attends, mais ta gueule. Exactement, ta gueule. Tu passes pas hein. Compte les coins, compte les points, je veux dire, tu passes pas. C'est qui me vole la première? Bah c'est BMF là, BMF il fait quoi là? 133 points pour Bonen. 43 pour Shadow, 105 pour Gazing, 120 pour moi, 150 pour BFM et 43 pour Bit. Donc ceux qui passent, BFM, Bonen et moi. Oh, Frico, viens dans mon groupe après. Quoi, viens dans mon groupe après, t'es sérieux? Oui. Espèce de sourase. En plus, comment je me fais sauter sur la ligne à la première? Y'a bien une finale à aller chercher. Mais j'ai dit, sur la route, moi, j'ai vu les finales. Au moins en tour. En classique, je n'en ai pas, ça c'est sûr. Du coup, Shadow et Gazing qui est mini. Ah, surtout quand tu vois comment je fais le mini sur la ligne. Big Gaz qui se fait ken sur la première étape parce que les skins sont cassés. Du coup, Shadow éliminé. Shadow éliminé. Incroyable. Le champion du monde en titre. Oh, Bonnet, le violeur de chèvre. Ouais. Attends, est-ce que s'il me passe pas sur la ligne, il fait 105. Ah si, ah non mais il te passe quand même. Ouais, il passe quand même parce que à la deuxième étape. Il fait 2 et 4 tous les deux. Ouais mais c'est la deuxième étape qui compte. Donc, il a déconnecté. Ah mais la team dispute est éliminée complètement. Oh là là. Ta gueule. Les gars. ferme ta gueule. En même temps, on avait qu'un représentant. Le PCM Village est toujours là. Toujours là. Debout. Toujours la banane. Du coup, Slomi, tu passes? Non, tu passes pas? Normalement, oui. Tu passes avec Flox? Ouais! Il y a peut-être pas si, il y a encore du Subscribe. Il y a Pump et Ivios. Non, Pump éliminé. Pump éliminé. Dites-moi, Kraul est éliminé. Oui, il a dit qu'il était éliminé, je crois. Il a fait éliminado grâce à ce type le Schleck. D'accord. Bah, c'est cool si Schleck passe en tout cas. Your group to Nesco baby Julia Mendes. Il y avait des Français dedans. Il y avait une vidéo dans le groupe. Ah ouais, comment tu te fais sauter à la première étape, putain. C'est sur ça que je me fais sortir quoi, parce que je perds 30 points là-dessus. Pump est éliminé. Et Toto. Oh, des Français, mais on s'est fait chier dessus. Alors, moi j'avais un groupe Mendes. Frico. David Guillaume Mendes. C'est le groupe de Popkinman. J'ai un groupe Mendes et Frico. Comment tu sais? Bah non, mais je veux ce groupe. Ah d'accord. Parce après, tu peux me battre alors que tu n'as jamais battu. Ouais. Je t'ai déjà battu. Tu m'as battu sur un vélodrome, mais non. Voilà. Tu ne m'as pas battu sur un vélodrome. Union. J'aurais dû. Quoi? C'est vrai. Il me reste plus qu'à prier pour qu'il y ait des absents. Ouais. Après, genre, tu vois, Lyon sera un meilleur réserviste que toi déjà. Ouais. Ah ouais, il a combien de points? 118. Ah ouais, je suis à 118. T'es à 105, ouais. Eh bien, les Français, dis donc. Tranquille. Le sac à foutre de Bonen qui était censé pas être là au début. Donc, la semaine pro, c'est. C'est des Ardennaises, non? C'est genre Amstel et je sais plus quoi. Ah bah attends, je vais voir ça. Ah oui! Ah oui, c'est bon, on a c'est regardé. C'est pas Amstel Liège? Attends. Ah non, il y a le Tour de Flandre à un moment. Ouais. Je crois que le final, c'est.